Harmonie. Street Harmonie, on existe depuis 2005. On est une association de danse hip-hop qui a pour but de promouvoir les cultures urbaines, etc. Mais plus précisément, on fait de la danse hip-hop depuis bientôt 10 ans. On va bientôt fêter notre 10e anniversaire. Généralement, ça va de 5, 10 à, il y a des structures, on a 20, 30 élèves. Si on se réfère au Gala Street Junior, qui est notre, entre guillemets, gala de fin d'année, où on invite tous nos élèves à danser, on avoisine les 200 élèves. Le hip-hop, c'est tellement vaste, c'est tellement riche que on prend nos inspirations d'un peu partout. Pourquoi Street Harmonie? Ça tombe un peu sous le sens. Le hip-hop, c'est une culture assez urbaine, qui dit urbain, dit rue. Donc c'est de là où on vient, c'est de là où vient le hip-hop. C'est ce qu'on défend, donc forcément la street. Et puis l'harmonie, parce que nous, ce qu'on défend, c'est pas forcément le côté underground, super, super street, super, super ghetto. On essaie justement de trouver cette harmonie. On a aussi des breakers qui viennent, ils sont les bienvenus, bien sûr. Par contre, nous, vraiment, Street Harmonie, on est axé sur le debout. On a du pop, du lock, de la new style, de la house dance. J'enseigne principalement hip-hop, pop et break. Donc ça, c'est les trois styles vraiment que je touche dans mes cours. Après, je touche à tous les styles de danse. On essaie d'être polyvalent, donc être plus danseur que danseur spécialisé. Je les ai rencontrés à l'occasion de certains événements. Depuis, de fil en aiguille, il y a eu des affinités qui se sont faites et puis ils m'ont proposé de les rejoindre. On a pas mal de cours de danse sur Nancy, on organise des battles. Là, on essaie de développer la culture urbaine, surtout Nancy. Un, on n'abandonne jamais. Deux, on danse par amour. Et puis par la communication, il y a un échange. Et je pense que voilà, ce qui nous définirait le mieux, c'est le hip-hop qui parle à tous. Bah forcément, par rapport à mon inspiration à moi, par rapport à ma culture, eh bien, je vais me servir de ces pas, de ces mouvements, de tout ça, pour enrichir mon hip-hop. Et puis, il y a tout un tas de danseurs qui ont créé leur style et qui, voilà, par rapport à Internet aujourd'hui, par rapport à des stages en se déplaçant, bah on enrichit comme ça notre vocabulaire. On essaie avant tout de partager à travers la danse.